Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, avant d'aller parler du nouveau Broly, je tenais tous à vous remercier, enfin tous et toutes à vous remercier pour le live d'hier, live invocation sur Twitch, les amis. Donc merci à tous ceux qui sont passés, vraiment c'était super bien pour un premier live, je suis vraiment très content de ce qu'on a fait. Et on continuera donc les lives sur Twitch dans 99% des cas. Instant auto-promo, hein, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller follow, c'est gratuit puisque les lives maintenant PVP, invocation ou co-caisse seront sur Twitch. Et donc dans ce live, vous vous doutez bien si je fais une vidéo sur lui, j'ai réussi à dropper le Broly deux fois. Je lui ai mis quelques pouvoirs Z pour au moins monter à 5 étoiles et je suis très content, je suis vraiment très content. Il est magnifique, je le voulais pour la team SSJ, en plus il est jaune, parfait. Donc voyons voir ses stats, 2 100 000 PV, c'est pas mal pour une petite unité à 5 étoiles comme ça. 223 000 d'attaque strike, c'est quand même beaucoup. 212 000 d'attaque d'énergie, c'est aussi très bien. Et en défense, on est quasiment sur du 138 000 si on arrondit. Une légère valeur de crit, mais c'est quand même correct, puisqu'il y aura Badak pour booster tout ça, on ramène 2 strikes. La bleue inflige des dégâts colossaux et détruit 3 cartes aléatoires de l'adversaire. C'est très gênant ça. La verte est vraiment très forte. Elle augmente de 30% les dégâts infligés pendant 20 secondes, ça se cumule. Elle augmente de 1 rang la vitesse de pioche des cartes pendant 20 secondes, ça se cumule. Et elle immunise contre les altérations d'état et les malus de stats pendant 30 secondes. L'ultime, dégâts colossaux, augmente 30% les dégâts de l'ultime pendant 3 secondes. Si ça touche l'adversaire, c'est un carnage en gros, donc ça va mettre aussi des dégâts sur les autres alliés ennemis. Et elle contient une armure d'énergie. Le main va tirer l'ultime, régénérer le kit 50, augmenter de 20% tous les dégâts, annulation impossible. Premier passif, 30% de tous les dégâts infligés au Famille Goku, annulation impossible. Quand il entre en scène, il augmente de 60% tous ses dégâts, il réduit de 20% les dégâts subis pendant 15 secondes, il régénère progressivement sa force pendant 60 secondes, il réduit de 5 le coût de ses strikes et de ses blasts pendant 10 secondes, c'est un bon passif. Mais en plus, à chaque fois que vous allez faire une strike, vous allez augmenter de 20% vos dégâts de l'ultime. Donc 4 strikes, c'est 80% d'ultime ici, plus 20% ici, plus 30% ici. L'ultime va arracher. Deuxième passif, au début du combat, il a un bonus qui réduit de 30% l'effet réduction de dégâts de l'adversaire. Lors d'une mise à cover, il va réduire de 30% les prochains dégâts subis. Et d'ailleurs, en parlant de cover, il a une cover strike, ce qui est plutôt intéressant. Et donc voilà, moi sur le papier, je le trouve vraiment très fort. En team SSJ, je sais qu'il va arracher, mais voyons voir ce qu'il donne à 5 étoiles dans la méta actuelle. Alors, je tiens à préciser pour ma défense que je tourne ces games juste après le live qui a quasiment duré 1h30, donc je suis un peu fatigué, mais on va espérer que je joue bien pour pouvoir vous montrer de belles choses avec ce Broly. Alors ici, bim bim, non pas bim, non. Goku Blue me fait plus peur que le Vegeta vu qu'il n'a pas d'étoile rouge. C'est parti, logiquement il jouera pas de rouge, donc on est bien à ce niveau-là et puis on va voir. Mais il y a un truc qui me chiffonne, c'est que le Broly, vraiment, faut obligatoirement faire des vertes avec lui. Au moins une. Là, il prend tout son sens. Ils ont toujours des vertes, hein, ces persos, c'est dingue. Hein. Ah bon? Attends, je l'ai laissé soigner pour rien. Déjà? Allez, comment ça? C'est pas bien ça. Bien joué. On remet. En plus, j'aurais pu esquiver, j'ai juste switch trop rapidement. Il a pas son Rising Rush quand même. Non. T'es sérieux? Très très belle cette cover. Pas mal. Ouh, Broly. J'hésite à faire la verte, mais je sais pas si ça passe en fait. Goku Blue. Quoi? Pas de Goku Blue? Ça tuait pas, hein? Blast. C'est mort. Excellentissime. Incroyable Broly. Bon, on va Rising Rush pour terminer, mais... incroyable, il a tué tout le monde, parfait. Ah bah en SSJ ça fait mal, hein, forcément. Et en plus on avait fait les vertes.
D'accord, alors, pense quand même Broliver pour contrer Topo. Parce que Topo, ça va être compliqué autrement. Grosse team, hein, t'as des Pride Troopers là, wow. Allez, c'est parti. J'espère qu'il va pas prendre Dispo. Mais je pense pas qu'il va prendre Dispo. Pas assez menaçant comparé au 3ème Kai, le Broly jaune. Dommage. Ok. Ok. C'est pas mal tout ça. Ça permet de bien temporiser. Ok. Oh là là ! Oh ! 13 étoiles le bordel. Mais c'est quoi ce perso ? Mais là il me donne Jiren en plus, il me donne Jiren, bah oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non. Ah, dommage. Ok, nice. Pas bien ça. Allez hop, Migaté, s'il y a... Ah non, il n'y a plus Badak depuis longtemps. Il n'y a plus Badak depuis longtemps, malheureusement. Ouais, mais au moins, on met nos petits dégâts. Hein. Oh, ça c'est con ça. Ça, par contre, c'est moins con ça. Ah, Icaris Broly. Hein. Nice, allez, Migaté. Poubelle. Bon là il n'y a plus Badak hein, depuis un petit moment. Hein. C'est à noter. Et les dégâts sont pas mauvais. Hein. Sur un topo 13 étoiles. C'est vraiment pas mal. Hein. Non, au moment où je tape attaque, t'es sérieux. Dommage. Mais dans tous les cas, je pense que c'est win, hein, parce que Broly Zenkai vert fera le travail, tout simplement. Nice. Nice. Bien joué. Oh, tu peux break cover, mon ami. Hein. Ah, il est fort, hein. Il est très fort, ce Broly. Il est très fort, ce Broly-là. Encore sur Migaté, c'était logique, avantage type et tout, mais Jiren et Topo, ce qu'ils ont pris quand même, c'est vénère. Après, on est en SSJ. Hein. Le vide. ダメだ!
もう終わりか? どこの星のやつだ? こっちは! もう終わりか? やるんだろ? こっちは! 本気にさせたな。今楽にしてやる。 王子とやり合うことになるか。 少しはできるみたいだな。
ハッ！それが貴様を倒す！